Bonjour à tous. Au nom de toute l'équipe des Pen Moi Canada et des Spelling Bee of Canada, nous aimerons remercier nos champions qui ont participé au concours d'écriture Mon héros m'est connu 2020. Pendant cette période de pandémie, ce n'a pas été facile pour nous de nous adapter à cette nouvelle vie. Alors, grâce à vos écrits, vous avez su, les jeunes, trouver la force et le courage de partager un sentiment positif envers quelqu'un de spécial dans votre vie. Pour cela, nous vous disons merci. Vous avez produit de magnifiques chefs-d'œuvre et nous sommes convaincus que quand vos nominés pourront écouter vos belles réalisations, ils seront fiers de vous comme nous le sommes. Alors continuez de travailler fort les jeunes, vous êtes l'avenir de la francophonie et continuez d'exprimer vos émotions à travers l'écriture. Nous aimerions aussi saisir cette occasion pour remercier les parents qui vous ont accompagnés durant cette belle aventure. Parents, nous vous disons merci. Ce n'est pas facile, nous le savons, d'être présent pour nos enfants, mais vous avez toujours été là et vous continuez d'être là. Et nous aimerons aussi remercier nos partenaires et nos commanditaires qui soutiennent cette initiative. Grâce à vous, nous pouvons donner la chance à nos jeunes qui aiment l'écriture de continuer d'exprimer leur amour pour la langue française. Finalement, à toute l'équipe de Pen Moi Canada qui ont travaillé très fort pour mettre en évidence le travail de nos jeunes, nous vous disons merci. Nous espérons que ces chefs-d'œuvre vont inspirer d'autres jeunes à participer au concours les années à venir et à continuer de partager des sentiments positifs envers des personnes qui leur sont chères. Alors, félicitations à vous, vous êtes nos champions. Vive la francophonie, vive la langue française, vive Pen Moi Canada et Spelling Bee of Canada. À l'école catholique, mon enfant reçoit un enseignement de qualité. Les résultats scolaires y sont supérieurs et le taux de réussite y est le plus élevé en Ontario. J'ai confiance qu'il pourra atteindre son plein potentiel grâce à l'enseignement tourné vers l'avenir et à un bilinguisme de haut niveau. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, 7 familles sur 10 choisissent l'École catholique de langue française. Joignez-vous à nous! Venez nous voir en début d'année lors de nos événements portes ouvertes. Bonsoir, je suis Claude-Andrea Bonny, animatrice à TV Rogers et bienvenue à vous autres au grand dévoilement des gagnants du jeu concours Mon héros méconnu organisé par Pen Moi Canada. J'aimerais prendre quelques secondes pour tout de suite là remercier et féliciter tous les candidats qui ont participé à ce jeu concours là. Ils ont écrit de très 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 beaux textes et aussi ils ont pensé en fait partager avec nous autres parents, amis, connaissances, une histoire sur une personne spéciale de leur vie et ça nous a valu des gagnants ce soir que je vais annoncer tout de suite. Et je vais commencer avec le gagnant du cycle primaire qui est Jaden Awitor de la région d'Alton Peel en Ontario. Alors Jaden, tu gagnes une bourse de 100$ avec une plaque de remerciement, un dictionnaire Larousse Junior et des articles promo d'Pen Moi Canada et de nos différents partenaires et commanditaires. Félicitations à toi Jaden. Bonjour, je m'appelle Jaden, je suis en 3e année et j'ai 9 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de la personne que je considère comme mon héros. Mon papa est un héros car il me sert d'exemple dans ma vie de tous les jours. Il veut que je sois bon aussi bien à l'école qu'en sport. Mon héros est mon papa tout d'abord parce qu'il est un bon entraîneur de soccer. En effet, au soccer, mon héros m'apprend à dribbler et à tirer le ballon comme Messi. Mon papa m'aide beaucoup avec mes travaux de l'école. Il veut que je sois attentif lorsque je fais mes devoirs. Il me corrige et m'aide à lire les définitions pour que je comprenne mieux les énoncés des sujets. C'est aussi grâce à lui que je colorie mes dessins en prenant mon temps. De plus, mon héros m'aide à connaître la culture africaine. Il m'apprend à dire bonjour en mina dans la langue togolaise et à manger la nourriture togolaise comme la blou. Avec mon héros, j'apprends également à prendre soin de nos voitures en les nettoyant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par ailleurs, mon papa adore le jardinage. Il m'apprend à bien prendre soin de nos plantes et de nos fruits et légumes pour qu'on puisse les manger quand ils grandissent.
Mon papa travaille beaucoup. Souvent, quand il a une pause de son travail, on joue à la PS ou il fait du vélo avec moi. Pendant le week-end, avec mon héros, on joue aux jeux de dames et aux échecs. En conclusion, avoir un héros est important car il nous sert d'exemple et de protecteur. J'aime mon papa car il fait tout pour notre ami, pour que nous soyons en santé et en sécurité. Merci de m'avoir écouté, Jayden. Je devrais aussi mentionner les meilleures productions du cycle primaire. Et pour commencer, j'aimerais dire félicitations à Christina Mupanga de Windsor en Ontario. Alors Christina, tu remportes un certificat de participation, une carte cadeau de 10$ de la librairie francophone Il était une fois, des articles promo et un t-shirt de Épelle-moi Canada. Félicitations à toi, Christina. Mon héroïne méconnue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une héroïne inconnue, d'une héroïne dans l'ombre. Il s'agit de ma mère. Pourquoi je la considère comme une héroïne méconnue? Je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette période difficile du nouveau coronavirus, COVID-19, notre survie est principalement grâce à notre chère maman. À cause du confinement, nous suivons nos cours en ligne. Elle nous aide avec les travaux de l'école, la lecture, l'écriture, les mathématiques et les devoirs, les rencontres avec les enseignants. Elle fait des courses pour la maison. Elle prépare la nourriture pour nous. C'est elle qui nous amène lorsque nous avons des sorties de classe. Elle nous a appris à prier, à avoir de la foi chrétienne et à croire à la parole de Dieu. Et fournit des efforts pour nous emmener à l'église. Pendant le confinement, elle est devenue notre pasteur, car elle nous prêche la parole de Dieu. Ma mère a toujours été ma source d'inspiration. Elle m'apprend à demeurer courageuse et à surmonter la peur. Elle ne cesse de me répéter chaque jour que ma force doit venir de mon cœur et non de ma tête. Ma mère m'a appris la tolérance, l'amour du prochain, non seulement au sein de ma famille, mais aussi avec mes amis, mes connaissances, nos voisins et même les gens qu'on ne connaît pas. Quand j'avais peur de m'inscrire à Épelle-moi Canada, c'est ma mère qui m'a encouragée à persévérer. Bref, ma mère est ma source d'inspiration. Elle est la valeur de ma vie et m'apprend à mieux vivre dans la communauté avec des bons conseils. Pour toutes ces raisons, ma mère, Julie Lupetou, est ma consolatrice, mon guide. Mon amour, ma plus belle fleur et, du reste, mon héroïne méconnue. Tu mérites tous mes remerciements. Merci, Christina. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon héroïne méconnue. Elle s'appelle Anaïs Favron. D'ailleurs, est-ce que vous la connaissez? Ok, si vous ne la connaissez pas, on va en parler. C'est mon héroïne spécialement dans ce temps de confinement. Je la connais depuis environ 7 semaines. Je l'ai connue à l'émission appelée L'école à la maison. Et L'école à la maison, c'est une émission animée par deux animateurs, Pascal Morissette et Anaïs Favreau. Je regarde cette émission pour apprendre plus de choses. J'ai déjà appris le polygone, convexe et non convexe, les divisions et l'histoire de la Nouvelle-France, comme Samuel de Champlain ou Monsieur Laviolette. Maintenant, je vais vous présenter 5 raisons pour lesquelles j'aime Anaïs Favron. 5 raisons.
La première raison, j'aime Anaïs Poivron car elle est bonne en radio et télé. Je l'ai vue dans plusieurs autres émissions comme l'école, comme 100% animal. Elle est bonne pour présenter des choses. Le deuxièmement, j'aime Anaïs Poivron car elle est très souriante. Son visage semble montrer qu'elle est toujours de pleine humeur et de joie. Troisièmement, j'aime Anaïs Poivron car elle est bonne imitatrice. Elle fait des imitations de toutes sortes de choses. Quatrièmement, j'aime Anaïs Poivron car elle est bonne comédienne. Croyez-moi, car si vous la voyez faire de la comédie, vous allez rire aussi. Une fois dans une émission, elle a fait des rimes qui faisaient vraiment rire. Elle mime très très bien. Cinquièmement, j'aime Anaïs Poivron car elle forme un très bon duo avec Pascal Morissette qui lui aussi est très drôle. Lorsqu'ils animent tous les deux, il y a plus de mouvement. On bouge beaucoup plus que quand chacun présente tout seul. J'aimerais travailler en équipe avec Anaïs Poivron car je pense qu'elle n'est pas sûre et qu'elle est ses coéquipiers. Voilà. Elle est bonne en télévision. Mais j'ai encore une dernière question pour vous. En connaissez-vous d'autres animateurs ou animatrices qui travaillent le même métier qu'Anaïs Poivron? Bye bye. À l'école catholique, mon enfant reçoit un enseignement de qualité. Les résultats scolaires y sont supérieurs et le taux de réussite y est le plus élevé en Ontario. J'ai confiance qu'il pourra atteindre son plein potentiel grâce à l'enseignement tourné vers l'avenir et à un bilinguisme de haut niveau. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, 7 familles sur 10 choisissent l'école catholique de langue française. Joignez-vous à nous! Venez nous voir en début d'année lors de nos événements portes ouvertes. De retour au grand dévoilement des gagnants de la 3e édition du concours d'écriture Mon héros méconnu, organisé par Épelle-moi Canada. Et là, je m'apprête à vous annoncer le gagnant du cycle moyen. Et son nom, c'est Marcel Lopez de la région de London en Ontario. Alors Marcel, tu gagnes une bourse de $150 avec une plaque de remerciement. Aussi, tu gagnes un dictionnaire Larousse Junior et des articles promo d'Épelle-moi Canada et de nos différents partenaires et commanditaires. Félicitations à toi, Marcel. Mon héros méconnu. Toute la classe pleure d'émotion. Les histoires d'Angèle Cointeau touchent vraiment au cœur. La seconde qu'elle entre par la porte, la classe est contente et excitée. Ça va être une aventure mémorable. Madame Angèle Cointeau est enseignante suppléante pour les écoles francophones de London, Ontario. Elle était enseignante à Wawa, au nord de l'Ontario, et à Retiré. Elle aime le froid. Elle était la seule fille dans une famille de 6. Elle nous a dit que son père était très sévère avec elle et que ses frères étaient méchants avec elle. Elle et ses amis jouaient pendant des heures dehors jusqu'au coucher du soleil. Madame Angèle Cointeau est mon héroïne méconnue pour plein de raisons. Elle a une belle façon d'expliquer ses leçons. Les histoires qu'elle raconte sont toujours reliées avec le thème de la leçon. De plus, en étudiant pour un test de science à propos de l'espace, elle nous a fait trouver dans chaque phrase une question qui pourra apparaître dans le test. On a mis chaque question dans un Google Docs. La plupart des enseignants suppléants sont sévères. Mais Madame Angèle est exactement l'opposé. Elle est très gentille et très chaleureuse.
Elle nous encourage à faire le travail avec le sourire. Nous faisons le travail avec plus de plaisir et d'énergie que si un autre enseignant nous dirait. Cela est rare, car normalement, quand un enseignant suppléant arrive, tout le monde suppose que ce n'est pas un bon. Elle est aussi enseignante suppléante de l'éducation physique et l'anglais. Quand nous avons fait les étirements du cou, elle nous a dit de ne pas trop l'étirer, car ça peut endommager un muscle. Pas tous les enseignants retirés sont enseignants suppléants qui enseignent l'éducation physique. De plus, c'est excellent qu'elle parle couramment l'anglais et le français. Pas tous les enseignants parlent français et anglais très bien. Cela montre qu'elle a plusieurs intérêts aux différentes matières. Les histoires d'Angèle Quentin sont merveilleuses, mais celles de son enfant sont souvent tristes. Je me souviens très bien d'une des histoires qu'elle nous a racontées. Elle travaillait comme enseignante à Wawa pour la classe de maternelle au printemps. Le lac de l'école commençait à dégeler. Elle a dit aux élèves de ne pas trop s'y approcher, mais un élève s'est approché trop et est tombé. Elle dit aussi qu'à Wawa, la neige est douce. Ici, à London, il y a trop d'humidité et la neige est souvent mouillée. Plusieurs personnes pensent que les gens retirés n'ont plus de valeur ou ne servent à rien. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent cela. Madame Angèle Coignot prouve l'opposé avec tout son talent. Personne ne s'ennuie quand elle parle, surtout avec cette histoire émotionnelle. Sa voix est sensationnelle. Elle ne fait pas dormir. Grâce à son style et à sa personnalité, elle est splendide. J'aurais énormément voulu être dans son cours quand elle était enseignante à Wawa. Elle surpasse vraiment tous mes autres enseignants suppléants en 8 ans d'école. Elle est la meilleure! Les meilleures productions du cycle moyen sont Gabriella Parizeau de Chatham-Kent en Ontario. Alors Gabriella, tu gagnes un certificat de participation, une carte cadeau de 10$ de la librairie francophone Il était une fois et des articles promo et un t-shirt de Épelle-moi Canada. Félicitations à toi Gabriella. Et on a aussi Jomel Opogap à Belle River en Ontario. Alors toi aussi, tu gagnes une carte cadeau de la librairie francophone Il était une fois d'une valeur de 10$, mais aussi des articles promo d'Épelle-moi Canada et un t-shirt. Félicitations à toi Jo. Je m'appelle Gabrielle Parizeau et j'aimerais vous présenter mon héroïne méconnue. Mon héroïne méconnue est ma grand-mère. Son nom est Marjolaine Lucie Roger. Elle est née à Laval au Québec, mais à présent elle vit à Rockland en Ontario. Même si on vit loin d'elle, on va la visiter souvent. Mais pour l'instant, en raison de la pandémie, on fait FaceTime avec elle tous les jours. Elle n'est peut-être pas une héroïne célèbre, mais elle en est une pour moi pour plusieurs raisons. Dans sa cour arrière, elle a une grande forêt qu'on appelle la forêt magique. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui l'avaient transformée en forêt enchantée juste pour nous, ses petits-enfants. Chaque fois qu'on va chez elle, on passe la plupart du temps à jouer dans la forêt magique et dans sa cour. Cette cour et cette forêt sont probablement les meilleures parmi toutes celles de la planète. La forêt est pleine d'arbres bien hauts et c'est l'endroit parfait pour y faire des forts. Sa cour est pleine de belles fleurs. C'est un bon espace pour pratiquer de la gymnastique et même faire du camping. C'est vrai, on l'a déjà fait. Pour ma grand-mère, il était si important que ses petits-enfants aient cet endroit magique. C'est aussi là qu'on ressent la présence de mon grand-mère. Elle est mon héroïne car depuis un an, elle vit toute seule et elle est capable de se faire des très bons repas, de bien prendre soin d'elle en cette pandémie du coronavirus. Ça prend du courage de vivre toute seule, surtout en ce moment. Elle a perdu son mari au mois de mai l'an dernier, alors c'est encore plus difficile. Cela montre qu'elle est une femme forte et brave. J'aimerais devenir une femme forte comme elle. Depuis, elle est mon héroïne car elle est une artiste. Elle a peinturé et créé une œuvre d'art dans notre salle de jeu. Elle a mis beaucoup d'efforts dans ce beau projet et on peut le voir. Il est très beau. Et toutes les fois que je vais jouer en bas, je pense à elle.
On a peinturé des animaux, des arbres et des paysages fantastiques. Elle m'avait aussi enseigné des techniques en peinture, même si j'étais toute petite. Elle nous a aussi écrit un petit message dans son coin qui dit « À ma belle princesse Geneviève et à mes deux princesses Gabrielle et Lynn, avec tout mon amour, quand même. » J'aime lire ce message, il me fait penser qu'elle est toujours là. Ensuite, elle est mon héroïne car elle me rend toujours heureuse. On se raconte des histoires drôles, comme des histoires de souris. Elle adore les souris. Ou même des histoires de serpents. Elle raconte aussi des histoires qui sont arrivées quand elle était jeune et la plupart me font rire. On parle aussi de ce qu'on a fait pendant la journée et on fait des blagues. Avec ma grand-mère, je peux parler de n'importe quoi. Finalement, elle est mon héroïne tout simplement car elle est ma grand-mère et je l'admire beaucoup. C'est un peu grâce à elle que j'aime tant les arts et que j'aime raconter plein d'histoires. Je t'aime, grand-maman. Tu es mon héroïne à moi. Bonjour, mes frères et sœurs. Je m'appelle Serge Malapoga. Je suis en 6e année et je fréquente l'école Jacques Pévanier dans la ville de Windsor. Aujourd'hui, pour cette belle journée, je vous présenterai une courte biographie à propos de mon héros méconnu. Mon héros méconnu est un de mes coachs de soccer nommé M. Rufus Abiyakun. Il est né au Nigeria qui est situé à l'Afrique de l'Ouest, mais il vit ici à Windsor, Ontario. Je l'ai choisi parce qu'il est un très bon coach de soccer. Il est vraiment tolérant. Pourquoi? Parce que chaque fois que mon père ne peut pas m'amener à mon match de soccer ou ma pratique de soccer, il est ici pour m'amener. D'ailleurs, parfois il me laisse dormir chez lui. Et je peux passer du temps avec mon meilleur ami qui est son fils, nommé Gabriel. De plus, quand il amène son fils et moi au soccer, il nous montre des techniques et on gagne nos matchs en utilisant ses stratégies. Aussi, à chaque fois à la fin du match, il nous amène au restaurant pour manger ou il achète quelque chose à la cantine. Puis, même quand mon père m'apporte à manger, il est là pour nous supporter. Monsieur Rufus, qui est mon héros méconnu, était un ancien joueur de soccer et un ancien athlète de 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Aussi, c'est un arbitre qualifié. Alors, quand il n'a pas d'arbitre, il est toujours disponible pour arbitrer notre match. C'est pourquoi je l'admire beaucoup parce qu'il donne trop de son temps pour ses enfants et moi à nos activités. Et c'est bien. Sans oublier, je l'ai aussi choisi parce qu'il nous fait blaguer et rire. Même si on est en train de perdre notre match, il est toujours là pour nous encourager. Monsieur Rufus est l'ancien directeur de Revenu Canada, le tout premier Africain à être le directeur de Revenu Canada. Aussi, il n'est jamais en retard. Par exemple, quand on l'invite aux fêtes, je suis sûr qu'il sera le tout premier arrivé et ça, ce sont des bonnes habitudes qui m'inspirent à faire quand je serai plus vieux. Je l'aime aussi car il est très généreux. Souvent, après mon match de soccer, nous allons visiter des magasins de soccer et il nous achète aussi des choses. Parfois, même à sa maison, ses enfants, sa femme et lui, quand on se lève le matin, il m'apprend sa langue du Nigeria, le Yoruba. Car sa femme parle plus de Yoruba à ses enfants que d'anglais à sa maison. Par la suite, quand je vais à sa maison, il nous donne au moins 40 minutes pour pratiquer nos mots de coco d'épilation. Puis il va nous évaluer et si on rate au moins 2 mots, on doit encore pratiquer. Mais si on rate 0 ou 1 mot, on peut jouer. Finalement, il est présentement en retraite. Et son pasteur est d'être un entraîneur et un arbitre de soccer. En conclusion, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour ma famille et tout le monde à qui tu es relié. Merci pour me garder en santé à chaque match aux États-Unis. Il n'y a personne aussi tolérant que toi. Je l'apprécie. Maintenant que vous m'avez écouté, je vais vous montrer ce que mon cher fils m'a appris. À l'école catholique, mon enfant reçoit un enseignement de qualité. Les résultats scolaires y sont supérieurs et le taux de réussite y est le plus élevé en Ontario. J'ai confiance qu'il pourra atteindre son plein potentiel grâce à l'enseignement tourné vers l'avenir et à un bilinguisme de haut niveau. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, 7 familles sur 10 choisissent l'école catholique de langue française. Joignez-vous à nous! Venez nous voir en début d'année lors de nos événements portes ouvertes. Nous continuons avec le cycle intermédiaire et la gagnante nous vient de la région de Simcoe en Ontario. Et la gagnante est
Liliane Laylor McDonald. Et Liliane, tu gagnes une bourse de 200$ avec une plaque de remerciement, un dictionnaire Larousse Junior, des articles promo d'Épelle-moi Canada et de nos partenaires et commanditaires. Félicitations encore à toi, Liliane. Bonjour, je m'appelle Liliane Laylor McDonald et j'ai 13 ans. Je vais vous présenter mon héros méconnu, ma grand-mère. Elle s'appelle Brenda Laylor McDonald, mais nous l'appelons Io. Avant de me lancer dans pourquoi elle est mon héros méconnu, je vais vous raconter un peu à propos d'elle. Elle est née en 1960 à l'hôpital Toronto Western. Elle a vécu à Toronto pendant environ 10 ans, puis en 1970, sa famille est déménagée à Oshawa, où elle a rencontré mon grand-père. Ensuite, elle a vécu à plusieurs différentes places et elle a été à environ 4 différentes universités. Maintenant, ma grand-mère est enseignante à Aurelia, où elle vit. Mais qu'est-ce qui fait Brenda Laylor McDonald, mon héros méconnu? Ce n'est pas les places qu'elle a vécues, ni les universités qu'elle a assistées. C'est qu'elle est drôle, généreuse et elle m'aide beaucoup. Premièrement, ma grand-mère est très généreuse. Elle donne beaucoup à la banque de nourriture. De plus, quand j'étais plus jeune, elle payait pour des choses comme des leçons de piano et de gymnastique que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir. Elle ne s'attendait pas à quoi que ce soit en retour. Puis, elle nous donne toujours des super de cadeaux. Par exemple, elle nous a apporté pour un voyage à Québec. Elle fait constamment des choses pour les autres et ne prend pas beaucoup de temps pour soi-même. Et elle est une excellente enseignante. Deuxièmement, Io m'aide avec pratiquement tout. Quand je fais des erreurs, elle m'aide toujours à les corriger. Puis, elle a toujours une bonne façon d'expliquer mes devoirs. Tout d'abord, elle m'aide aussi sur un niveau émotionnel. Parfois, je me chicane avec mes parents et j'ai besoin de quelqu'un qui parle. Alors, je vais voir ma grand-mère. Puis, elle m'aide toujours à me calmer et de voir leur côté de la situation. Elle est super bonne à m'écouter. Un jour, j'ai tombé de mon vélo et elle m'a aidé à nettoyer toutes mes blessures. Ensuite, il y a quelques ans, j'ai cru que j'avais des sentiments pour une autre fille dans ma classe. Puis, je me suis sentie assez confortable pour le dire à ma grand-mère et elle n'a pas été fâchée ou déçue comme d'autres personnes l'auraient été. Elle a été très sympathique envers moi quand je lui ai dit. Voilà pourquoi Brenda Laylor McDonald est mon héros. Elle est gentille, généreuse et elle m'assiste avec beaucoup de choses dans la vie. Elle est toujours là pour moi et ma famille. Alors, toutes ces choses sont pourquoi elle est non seulement un grand-parent extraordinaire, mais aussi une femme extraordinaire. Elle est une des raisons que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'espère que ce texte démontre combien je l'aime et comment géniale elle est. Car d'habitude, c'est elle qui révise mes travaux et m'aide. Elle allait faire le mieux possible et elle ne m'a pas aidée cette fois-ci. La fin! Les meilleures productions du cycle intermédiaire sont Yossa Kamel de Saint-Laurent, Montréal, Québec. Alors Yossa, tu remportes un certificat de participation, une carte cadeau de la librairie francophone Il était une fois d'une valeur de 10$, mais aussi des articles promo et un t-shirt de Épelle-moi Canada. Voilà, je pense que j'ai fini d'écrire mon texte. Je vais le lire pour voir ce que ça donne. Mon héros méconnu. Quand on entend parler de héros, on peut penser à plusieurs personnages, comme des super-héros, des héros de films, ou ceux qui sauvent des vies, tels que les pompiers et les médecins. On peut aussi penser à quelqu'un que très peu de personnes connaissent. Mon héros, ou plutôt mon héroïne, fait partie du dernier cas.
Je parle ici de ma chère mère. Je lui dois tout après ce qu'elle fait pour moi. Depuis longtemps, je sais que ma mère est présente dans toutes les situations sans que je ne fasse appel à elle. Je la remercie toujours et elle me répond que c'est ce qu'une maman doit faire afin que ses enfants puissent vivre épanouis et en santé. L'histoire débute en juin 2019. La fin de l'année scolaire approchait à grands pas. J'étais un peu stressée. Premièrement, j'avais légèrement peur parce que je devais surmonter les épreuves ministérielles, mais aussi parce que je savais que les vacances d'été allaient être très chargées. D'abord, ma famille et moi devions déménager dans un autre arrondissement après avoir vécu au même endroit depuis ma naissance, puis voyager, et enfin, je devais passer vers le secondaire. J'appréhendais énormément la première et la dernière situation. Néanmoins, ma mère était toujours là pour me soutenir en me disant que je m'adapterais à tous ces changements. C'est ce qui s'est passé par la suite. Dès la première semaine d'école, je me suis fait plusieurs nouveaux amis. Durant les prochains mois, je me suis inscrite pour participer à plusieurs activités divertissantes. Ma vie quotidienne était satisfaisante. Soudain, on nous annonça la fermeture des écoles, le confinement obligatoire, la pandémie. Bref, j'ai senti ma vie s'écrouler. J'éprouvais des difficultés à assimiler ce nouveau mode de vie en isolation. Me réveiller le matin, me lever de mon lit, je ne les envisageais même plus. Ce n'était même pas la peine de le faire, puisque je ne pouvais aller nulle part. Je voulais sortir, car j'avais grand besoin de respirer une bouffée d'air frais, mais il était impossible d'aller à l'école, au parc ou au centre commercial. J'ai failli sombrer dans le désespoir. C'est donc à partir des premiers jours que ma mère a constaté ce que j'endurais. Elle a rapidement pris la situation en main. Elle m'a aidée à combler mes journées, à rester optimiste, et elle m'a même incitée à ne pas rester en pyjama, et ce, simplement pour essayer de revivre ma vie d'avant. Ma mère m'a expliqué que dans tout ça, c'est ma santé, la santé de mes proches et la santé de tout ce qui nous entoure qui est essentielle. Durant ces temps de confinement, cette formidable personne a consacré son temps à me parler et à faire des activités en ma compagnie. J'ai joyeusement repris mon quotidien et je suis désormais très optimiste. Par modestie, ma mère me dit qu'elle agit de la sorte par instinct maternel, mais moi, je reconnais sincèrement que je m'en sors grâce à elle. Ma mère mérite tout mon respect et mon admiration. C'est pour ça que je suis fière de lui donner le titre de mon héros méconnu. Merci, maman. Nous avons aussi Alice Mulocox de York en Ontario. Alors Alice, tu remportes une carte cadeau de 10$ de la librairie francophone Il était une fois et aussi des articles promo de Épelle-moi Canada et un t-shirt de Épelle-moi Canada. Félicitations à toi Alice. Bonjour, je m'appelle Alice et je veux vous parler de mon héros méconnu. Mon héros méconnu s'appelle Michael et il est une personne extraordinaire. Il est un chauffeur de camion qui conduit jusqu'aux États-Unis pour apporter des masques, des médicaments et du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux et les résidents du Canada. Quand Michael était jeune, il voulait toujours aider ses amis et ses parents. Ils étaient très fiers de lui. Quand Michael est devenu un adulte, il enseignait aux jeunes à conduire. Tous ses élèves l'adoraient car il était patient et sympathique envers chaque élève. Michael a fait beaucoup d'autres bonnes choses dans sa vie et j'espère qu'il continue d'être une personne magnifique. Bien vrai le fait que les jeunes aient écrit des textes magnifiques, il y a un texte qui s'est démarqué et celui-là a été le coup de cœur du jury et il est remporté par Manal Amine de la région de La Salle, Montréal-Québec. Et Manal, tu remportes une bourse de $50, une médaille et aussi des articles promo de Épelle-moi Canada et de nos partenaires et commanditaires. Gros félicitations à toi Manal. Bonjour, je m'appelle Manal. Je vous parle du Québec. Mon héros préféré est mon père. Je l'ai choisi car il m'a tellement appris de choses dans ma vie que ma tête en déborde.
Il m'a appris des sports, des matières et un tas de choses sur les oiseaux. Dans les sports, il m'a appris à faire du vélo, du taekwondo, du patin, de la natation et des roues. Au début, il y avait des sports que je ne voulais pas pratiquer, mais il m'a encouragée à les faire et maintenant je suis une pro en sport. Dans les matières, mon père m'a aidée à m'améliorer en mathématiques, sciences, anglais, français, la physique. Maintenant, je suis une bonne à l'école, mais auparavant, je trouvais ça nul. Grâce à mon père, j'arrive à reconnaître si un oiseau est une femelle ou un mâle. Je connais beaucoup de choses sur les différentes sortes d'oiseaux, comme quoi la perruche vit dans les dans la forêt, le canari vit dans les îles du Canari et les cailles vivent dans les champs. Je passe beaucoup de temps avec mon héros préféré. Nous regardons souvent des films, nous faisons du Just Dance, nous regardons aussi des dessins animés. Nous faisons le ménage ensemble, nous jouons et nous courons dans notre terrain. Et parfois, nous cueillons des fleurs à ma maman. À ma maman chérie. On joue souvent avec nos lapins. Ils nous laissent les porter sur nous. Moi et mon papa, nous aimons beaucoup. Nous avons beaucoup de points communs. Tous les deux, nous aimons le vert flash. Nous sommes drôles. Nous aimons les mystères. Et on aime la même chose. Et cette chanson est All Time Old. Mon papa est tout bon. Comme je suis chagrinée, il me réconforte. Je peux parler avec lui de tout. Il me donne plein de conseils pour s'améliorer dans ma vie. Pour être autonome. En plus, moi et mon frère, il me laisse souvent manger du chocolat, des bonbons. Et je l'aime énormément. Si vous avez aimé, qu'est-ce que j'ai dit? Ben merci. À l'école catholique, mon enfant reçoit un enseignement de qualité. Les résultats scolaires y sont supérieurs et le taux de réussite y est le plus élevé en Ontario. J'ai confiance qu'il pourra atteindre son plein potentiel grâce à l'enseignement tourné vers l'avenir et à un bilinguisme de haut niveau. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, 7 familles sur 10 choisissent l'école catholique de langue française. Joignez-vous à nous! Venez nous voir en début d'année lors de nos événements portes ouvertes. Thank you.
Bianca de Prescott Roussel, Chloé de la Nouvelle-Écosse, Christopher de Cambridge et environ. Correct. Tous les autres participants du concours n'ont pas été oubliés. Alors pour vous autres, vous repartez avec un certificat de participation, une carte cadeau de 5$ de la librairie francophone Il était une fois, mais aussi avec des articles promo de Épelle-moi Canada. J'aimerais prendre le temps de dire bravo et félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à cette 3e édition de Mon héros méconnu et on espère vous voir, vous et bien d'autres d'ailleurs, à la 4e édition qui s'en vient pour l'année 2021. On va prendre aussi le moment de remercier nos commanditaires, nos partenaires et plus spécialement au Conseil scolaire catholique Mon Avenir, commanditaire officiel de Mon héros méconnu 2020 et aussi aux parents. Les parents qui ont été là, qui ont supporté les enfants, vos parents, on va vous dire un gros merci parce que c'était pas facile en ce moment de confinement là, de pouvoir accompagner les enfants dans ce processus. Gros merci aux parents. Gros merci aussi à toute l'équipe d'Épelle-moi Canada qui travaille en arrière et qui fait du très beau travail. Il faudrait qu'on le dise. Et on aimerait aussi dire merci à Spelling Bee of Canada pour cette activité. Alors sur ce, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir en 2021. Au revoir.